T'imagines? 5 ans. Mais de quoi? 5 ans qu'il est mort. Mais qui? Bah Johnny. Déjà 5 ans? Oh, 2017. Purée. Tu te souviens? Mais oui! Que je t'aime! Que je t'aime! Que je t'aime! Et oui, Johnny, plus qu'un nom, une véritable légende, un Alsacien vient de lui offrir une chanson hommage. Et pour l'interpréter, quoi de mieux que de faire appel à une de ses anciennes choristes? Vous l'entendrez dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver fidèle au poste. C'est reparti pour une nouvelle saison de votre 18h30. Alors, on ne va pas beaucoup changer les bonnes habitudes et on va commencer par notre retour sur aujourd'hui. Et l'homme que vous allez découvrir dans notre chronique insolite a lui aussi plus d'une corde à son arc. Jean-Marie Roth est Alsacien. Il enseigne l'écriture de scénarios et il vient d'offrir une chanson en hommage à Johnny. Petit extrait. Cette voix que vous entendez, c'est celle d'Angeline Annonier. Elle a été choriste de Johnny Hallyday. Elle a chanté dans son dos entre 1999 et 2004. Elle faisait partie de ces fameuses sexy ladies, comme il les appelait. Alors, Angeline a vraiment tout donné dans l'interprétation de cette chanson, d'autant que Johnny, c'est vrai, était une star, mais apparemment une star très sympa. Elle garde de lui le souvenir d'un homme drôle, accessible. Et depuis que cette chanson vit sa vie sur les réseaux sociaux, les retombées sont à la fois numériques et sentimentales. Écoutez Jean-Marie Roth, l'auteur de cette chanson. Écoutez, les retombées, là actuellement, on en est à 80 000 vues, ce qui est pas mal du tout. Et les retombées, ce sont beaucoup de gens qui écrivent. Alors bien sûr, ils écrivent surtout à Angeline pour dire combien interprète bien cette chanson, chose que je cautionne complètement. Et moi aussi, j'ai quelques messages, des gens qui me disent, ça me touche beaucoup, qui me disent la chanson telle qu'elle est écrite, c'est exactement ce que j'aurais voulu dire à Johnny. Donc ça, comme c'était un peu mon but, j'avoue que ça me fait très plaisir. Et sachez que vous pourrez entendre Angeline Annonier chanter cette chanson le 15 octobre prochain à Besançon, juste à côté de Reims. Passons.